casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super, on y va! Au travail! Par ici! Je suis juste derrière toi. La vraie cale! Ah, t'en fais pas! Je ne pense pas que les outils vont pouvoir tenir jusqu'au bout. Là-haut! Admire-moi ça, un vaisseau séparatiste. J'ai pas vu de Luquerolles que depuis un bail. Ouais. Clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. Danger ! Danger ! Quoi ? Hé, tout va bien ? Ouais, ça va. Mais y a plus d'échelle ! Va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis. Je me débrouille. On se retrouve là-bas. Quittez cette barge immédiatement. Vous n'êtes pas un déchet à prouver. Je suis un déchet, mais pas à prouver. Faites passer! Hé, maniez-vous, on va réussir à finir en avance. Tu peux déjà sentir l'odeur des crédits. Ça va être la grosse fête ce soir. Finissons-en avec ça. Cal le casse-cou! Content de te voir! Moi aussi! Évite de mourir quand même! Ouais, je vais essayer. C'est quoi, des rats de décharge? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. Ça marche. À tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Le chantier est là. En avant toutes.
reste activé. Ouais, t'as bien raison. Allez, faut qu'on termine avant qu'il commence à découper l'aile. Archinet, Archinet! Je bosse aussi vite que je peux. Actionne le levier de contrôle manuel. Ça y est. À toi. Attends. Ok. Pince fixée. Ça va? Toujours là. Tu m'as fichu la trouille. C'est bon. Bouge pas, on occupe. C'est bon, viens me rejoindre. Eh, viens, je tiens un coup d'œil. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce machin moisi, là, depuis quoi, 4 ans? 5. Celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. Tous ces Jedi, une vraie tragédie. Oh, moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais, on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République, en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie, pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. Tu fais quoi? Bien. Cal, je peux pas remonter. Prof, accroche-toi. Je glisse. Non, ne lâche pas. Je vais pas tenir. Prof, non. Oh. Tout va bien, prof? Ça va. Je suis coincé. Il y a plus de pilote. Je vais nous sortir de là. Accroche-toi. Attention, Cal. Attention. Ce truc arrive à peine à voler. Tiens bon. Prof, ça va? Ouais. Ok. Ok, il faut qu'on... On doit bouger, ouais. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tout ça? C'était toi? C'était la force, c'est ça? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des primes sur les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. On doit faire attention. Ouais. Ouais, ça va. Et toi? Ouais.
Cal. Ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... c'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici... t'es en danger. Peut-être que tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur Nar Shaddaa. Ouais. On va plus se voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Attends! Où tu vas? Sans faillir. Maître, n'accorde ta confiance qu'à la force. Le train n'avance plus. Ouais. Et c'est mauvais signe. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une de ces inspections de routine. Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme Ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant. Où tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance.
je... Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais Cador. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. On sait tout ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non ! Voyez-vous ça ? Un sabre laser ? Je maîtrise le Jedi ! C'est quoi ? Contrôle de la perturbation. Ça fait mal ! Stop ! Ne bougez plus ! Qu'est-ce que vous faites ici ? On se calme. J'ai un fugitif. T'as entendu à la radio ? Un Jedi ? Prépare-toi ! C'est le prêtre ! Abat-le ! J'ai pas besoin d'aide pour te tuer ! Contact confirmé. Abattez-le. Ils sont quand même pas tous morts ? J'ai repéré un ennemi. Elle ne peut pas être si vite. Super. Ça veut dire que je suis perdu. J'ai fermé la porte. Pas le choix. Pas que je m'arrête. J'ai préféré me reposer. C'est comme ça que je me prépare. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. On n'a pas le temps de se reposer. Il y a quelque chose par là. Venez, l'ennemi est ici. Arrête de courir! Il ira pas loin. Ah!
pas à l'avant. Arrête le train. Oh non! Il me faut un abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant! Il faut monter. Arrêtez.
quelque part. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Tu es plus doué que je le pensais. Je te détruirai. Tu n'es pas de taille. Tu peines pris de ton arrogance. Éteins-moi ce truc, et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui, exactement? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la Force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi? Faire renaître l'Ordre Jedi de ses cendres. Vous deux? Et personne d'autre? Oh, on n'est pas assez bien pour toi? Et le Conseil Jedi? Disparu. Donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Bogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant. Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Cal, attention! T'es au courant que tu causes en dormant?
Cinglé. Cet air, je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force liée à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Un Jedi que je connaissais à la découverte avant la purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe? Non. Alors? Quel est le plan? Se cacher ici? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment, là-bas? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la Force soit avec toi. Ça doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà un ici, pourquoi Serré a besoin de moi? L'endroit a l'air sûr pour méditer. Il faut seulement que je me concentre.
Salut, BD1. Moi, c'est Cal. Ouais, ça va, mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je recherche un Jedi, je crois. Attends, tu le connais? Qu'est-ce que tu sais? Hé, hey, t'en vas pas! Il a piraté ce truc? Merci. Le sanctuaire dont Céré m'a parlé. Celui que je recherche doit se trouver ici. Une suggestion? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Une tyrolienne? Comment t'as su que ça marcherait? Hein? Tu savais pas? Je te crois, mais je voudrais aller voir quelque chose de ce côté. Ça ne veut pas s'ouvrir. Attention là-bas, ça a l'air dangereux. C'est pareil qu'à la décharge. Plutôt courageux, ça va pas? Attends, je peux peut-être t'aider. Tu veux bien? Oh. D'accord. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. Et voilà. Et c'est ça. Le sanctuaire? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Ok, alors. On doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. BD, c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas, je trouverai bien une autre sortie. C'est étroit, mais ça devrait aller.
On dirait que ces plantes mènent quelque part. Faut pas qu'elles lâchent. Je vais m'en remettre. Ah ! Hein ? Estime de soin ? Toi, t'es plein de ressources. Ça, ça fait du bien. Merci, petit droïde. Ok, on va réessayer. Ok. Oh, tout le monde à bord. Bon, d'où tu débarques? Tu te souviens pas? Un droïde peut être amnésique. Oui, tu marques un point. Hé, hey, un coffre. Tu crois que le Jedi nous laisserait nous servir? Oh, il y avait quelque chose là-dedans. C'est là qu'on doit aller. Je peux le sentir. Insecte. Ne traîne pas, BD1. Une carte des lieux qu'on a traversés. Je peux pas passer par là. Il faut qu'on trouve un autre accès. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que c'est, BD1?
Cet outil a servi à quelqu'un pressé d'aller au sanctuaire. Je vais aller voir. Vite, Médir. Qu'est-ce que c'est? Beau travail. Tu vois quelque chose ? Essaie encore. C'est difficile, maître. Oui, je sais, cette voie n'est pas facile. Elle peut même te sembler impossible. Mais la persévérance et la force sont d'excellentes alliées. Elles t'aideront à surmonter tous les obstacles. Ta maîtrise sera totale. Maintenant, fais ton possible pour m'atteindre. Plus vite, plus d'intensité. Allez, rejoins-moi ici. J'ai réussi. La persévérance et la force sont mes alliés. Je me rappelle juste de quelques trucs. Tu peux me remontrer ce raccourci ?
C'était une zone de méditation. Pour quelqu'un connaissant l'Ordre Jedi. Ce sac appartenait à quelqu'un de Coruscant. Cette personne en voulait au Conseil Jedi. Reviens là. Qu'est-ce que c'est? Reviens là. Quelque chose d'utile? Tu peux pirater ça? Navré pour ton connecteur. Mais faire face à ce Bograt, fallait oser. La course. C'est parti. C'est pas encore fini. Ok, d'accord. T'aurais probablement gagné. Probablement. Impressionnant. Est-ce que ça va, BD? Bien joué, qui que tu sois.
Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Efo. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la Force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensibles à la Force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages et apprendre à percevoir les mystères de la Force comme l'ont fait les Efo autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Efo. Et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. Et que la Force soit avec toi. J'imagine que tu es celui que je devais retrouver. Ici ? Tu sais, ça fait longtemps que je suis tout seul. Je me cachais, sans but précis, isolé. C'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Serré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Hé ! Tu aimerais que je te présente quelques-uns de mes amis ? J'ai trouvé ce que vous vouliez que je voie. J'ai l'impression, en effet. Nous t'attendons.
Mon ami, il semble que les Zephos portaient de l'intérêt à Datomir. C'est étrange que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. BD1. Ça devrait aller plus vite qu'elle allait. Mais c'est quoi cet endroit ? Jedi venait ici pour étudier la sphère en haut. Je sens encore l'enthousiasme. A l'air de sentir plus mauvais que grise. Rogling a été tué.
Hé, hey, Médéen. Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour Médéen ? Monte à bord, et on va en parler. Oh, Médéen, ça c'est Grise. Salut Grise. C'est quoi ça ? Vire-toi mon canapé ! Ouch ! Descends de là ! Allez, fiche le camp ! Allez ! Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli ? Non, pas vraiment. Oh, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, Cal. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Éphos. Un Jedi nommé Enno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché ? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez ? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez, attendez. Un holocron ? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la Force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y! Oui, mais l'holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses Éphos. Ok, très bien. Alors où on va? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant? D'accord. D'Atomir ou Zepho, c'est toi qui décides. Bien, calculons l'itinéraire. C'est parti, direction Zepho. Aujourd'hui, notre grande armée a pour mission de faire appliquer les lois de l'Empire et de s'opposer à tous ceux qui cherchent à détruire notre harmonie galactique. Non mais t'entends ça ? Éteins ça, Grise. Sale menteur ! Qui va croire ces idioties ? La population des mondes du noyau. Leur quotidien n'a pas beaucoup changé depuis que l'Empire les gouverne. On parle pas. Certains sont même encore plus riches qu'avant. C'est pas comme dans les mondes sacrifiables. Comme la Terronne. Tant que l'Empereur satisfera les bonnes personnes, ça ne changera pas. C'est pour ça qu'il faut des Jedi. Alors on ferait bien de s'occuper de cet holotruc. Assieds-toi, petit gars. On va bientôt se poser. Dis donc, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Hé, Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met.
Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui. Je suis sûr que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Cal, par ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les Efo, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova a été fasciné par les Efo et par la puissance de leur enseignement. Une seconde,